mes amis, soyez les bienvenus dans ce compte-rendu de la troisième ronde de l'Open B 2022 de Strasbourg, réservé au moins de 1800 Elo, tournoi qui a très mal commencé puisque j'ai perdu les deux premières rondes malgré des belles parties. Je trouve que je joue bien, donc je panique pas et je reste optimiste. Alors j'avais les noirs contre un jeune classé 1470 et il a joué D4 cette fois-ci, contrairement à E4 dans la partie précédente, cavalier F6. Cavalier F3 qui est un coup pas très ambitieux mais solide. Et là moi je joue C5 là-dessus pour tout de suite agresser l'adversaire et poser une question à ce pion. Il a défendu avec C3. Donc ensuite là le coup le plus courant je crois que c'est E6. Juste pour défendre le pion en développant notre fou. Et moi j'ai appris Dame C7. Autre façon de défendre le pion. Et il est possible que le fou il aille en fianchetto en fait. E3. Alors ok, il a des pions très solides, mais là le fou il est pas content. Pas content du tout. G6, comme je disais, on va mettre le fou en fianchetto. Et là une fois qu'il joue fou D3, il faut jouer D5. Parce que sinon il pourrait jouer E4. Regardez, E4. Et là, il a un duo de pions au centre. On appelle ça comme ça, un duo de pions. Et voilà, j'ai pas de centre du tout là, et c'est assez terrible. Si j'échange ici, ça change pas grand chose. Il a toujours son duo de pions. Donc, D5. Ça n'empêche pas E4. Mais s'il joue E4, tout simplement, je peux faire un échange cette fois-ci. Pour l'instant, il peut pas en vrai, puisque c'est défendu deux fois. Pardon. S'il joue par exemple ça. Là, on fait un échange, quoi. Et la position est équilibrée, il n'a pas le duo de pions qui se maintient. Voilà, je reviens en arrière. Tout ça pour dire, c'est pour ça que je joue D5 pile à ce moment-là. C'est quand il joue fou D3, il contrôle la case E4, donc il faut se battre pour le contrôle de la case E4. Donc D5, cavalier BD2, fou G7, roc, roc, tout est normal. Et là, il a joué E4 quand même. Donc comme je disais, on veut pas maintenir ce duo de pions, donc on échange. Et puis là, j'ai repris aussi le pion D4. Je pensais qu'il allait prendre avec le cavalier, pour ne pas se retrouver avec un pion isolé. Mais il a pris avec... D'abord, il a échangé en F6, échec. Okay. Et après, il a repris avec le pion. Donc là, comme la partie précédente, ça ressemble vraiment beaucoup. Il a aussi le pion isolé. J'ai un peu la même structure avec mon fou en fianchetto. Et cette fois-ci, je repense à la partie précédente. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous allez voir la ronde 2. J'avais joué A6, B5, fou B7. Mais la case C5 était devenue très faible et il a réussi à s'infiltrer en mettant une tour ici. Donc j'ai retenu comme leçon qu'il faut bien surveiller les cases E5 et C5. Du coup, j'ai joué B6 pour faire fou B7, mais en contrôlant C5. Fou E3, très bien, défend le pion. Fou B7. Tour C1. Une colonne ouverte, c'est normal. Dame E2, ok. Je sors mon cavalier, j'attaque encore le pion une troisième fois. Donc là, il est attaqué trois fois. Et il est défendu que deux fois. Et maintenant, il est défendu indirectement par la tour. Donc là, je pense que je peux pas vraiment le prendre. Ou que même si je peux le prendre, bah par exemple, il a ça. Peut-être que même ça, c'est bien aussi. J'étais pas... Ça me plaisait pas du tout. Donc je pense que je peux toujours pas le prendre. Et j'ai juste joué tour C8. Tour A, C8. Fou C4. Bon, ça menace pas grand chose, mais ça défend plus clairement le pion isolé. Et là, je me suis dit, ce cavalier il fait pas grand chose. Je vais faire une petite manœuvre, je vais mettre en D5 pour bloquer le pion isolé, attaquer ce fou. Donc c'est parti, cavalier B4, A3, cavalier D5. Et puis, sachant que s'il échange, je serais pas mécontent d'avoir la dame ici et d'avoir une belle batterie. Fou H6. Tour D8, on va pas laisser le fou attaquer la tour.
et cavalier e5. Donc, toujours pareil, c'est typique quand il y a ce pion isolé en d4, les cases e5 et d5 et c5 pardon peuvent être utilisées. Pardon. Donc là, ça devient pas vraiment dangereux, mais il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a pas mal de pièces qui pointent sur f7. J'ai joué fou g7 pour essayer d'échanger ici. Fou prend g7, roi prend g7 et b4. B4, je sais pas trop à quoi ça sert. Et là, j'ai joué e6 pour peut-être que comme dans l'autre partie, j'avais comme idée de passer par là, de faire une manœuvre avec mon cavalier, je sais plus. Ah, et donc là, il a échangé en d5. Et j'hésitais entre soit prendre directement. D'ailleurs, ça menace mat. Donc après, peut-être cavalier f3. Ou dame f3. Et je me suis dit, je vais prendre en c1 d'abord. Parce que si jamais il veut faire un coup intermédiaire comme ça, ça marche pas. À cause de tour prend, échec, dame prend. Et dame prend ici, il peut pas prendre là à cause de tour prend d1. Donc le coup intermédiaire marche pas. Alors ça tend un petit piège, mais et je croyais que ça faisait pas d'autre différence. Mais en fait si, ça fait une différence, c'est que juste actuellement là on a les deux tours qui contrôlent chacune la colonne C. Donc il n'y a pas un camp qui a plus le contrôle que la colonne C que l'autre. Par contre, à partir du moment où j'échange, donc c'est ce que j'ai fait, il a juste repris. Maintenant, c'est lui qui contrôle la colonne C. Donc cette position est beaucoup moins bien pour moi que... Ah, donc là, j'ai pris, bien sûr. Mais cette position est beaucoup moins bien pour moi que la même position avec les deux tours encore sur la colonne C. Et je croyais que... que ça allait me permettre de prendre le pion d4 aussi. Parce que quand j'échange là, d4 est plus défendu, je prends là, j'attaque g2, j'attaque d4. Mais il y a un coup qui défend les deux à la fois. C'est juste cavalier f3, pas de problème. Donc ça ressemble un peu à l'autre partie, hein. J'arrive toujours pas à m'emparer du pion isolé. Ok, dame f5. L'idée c'est peut-être d'échanger tout en f3. Pour menacer de prendre en d4 et puis aussi pour menacer de déstructurer encore plus ses pions. Dame e3 et là donc j'ai pris, il a repris avec le pion. Ouais, parce que s'il reprenait avec la dame, dame prend tour prend, et là j'ai un pion d'avance et puis en plus il a une structure de pion très faible, donc je pense qu'il a eu raison de reprendre avec le pion. Parce qu'il a aussi une structure de pion très faible, mais au moins il perd pas ce pion-là. Et certes, le roi est un petit peu à découvert, mais c'est pas si facile de l'attaquer. Je peux pas aller là, je peux aller là, mais ça fait pas grand-chose. Je me suis dit... alors d'abord, tour d7, ouais. Empêcher l'infiltration de la tour adverse sur la 7ème rangée. Très important. Roi g2. Dame f6. Bah, j'ai envie d'attaquer le pion. S'il le défend avec tour d1, bah, je suis content, sa tour ne contrôle plus la colonne C. Et s'il le défend avec tour c4, j'avais estimé que ça marchait pas parce que j'ai b5 qui attaque la tour. La tour s'en va et je prends le pion. Mais en fait, la tour s'en va, elle peut s'en aller là. Et certes, je prends le pion, mais il prend aussi l'autre. Donc la position est équilibrée en fait. Mais c'est pas ça qu'il a joué, il a pas dû voir ce que je viens d'expliquer. Donc il a joué tour d1. Et maintenant, bah, je vais essayer d'attaquer, quoi, de venir avec mes deux pièces. F4, dame F5, H3. Donc, j'ai essayé de tourner un peu avec mes pièces. Là, j'attaque la tour, mais il y a juste à la bouger. Puis, il recontrôle la colonne C. Donc, finalement, je dois revenir en D7 pour à nouveau empêcher tour C7. Donc, j'arrive pas trop à progresser, là. Je reviens sur mes pas. J'attaque à nouveau D4, il revient en D1. Là je peux faire échec si je veux, mais juste tour d2. Tous ces pions sont bien défendus, donc je sais plus trop quoi faire. Là j'ai joué roi g7, parce qu'en fait j'ai envie de jouer tour c7, pour venir
prendre le contrôle de la colonne C et essayer de m'infiltrer en mettant la tour là et la dame là. Ça, c'est le rêve. Mais je me suis dit que si je joue tour C7 tout de suite, il va faire dame E5 échec et ça attaque la tour. Donc en fait, je suis obligé d'échanger les dames et de réparer sa structure de pion. Mais c'est pas si mal parce que ma tour est très active et pas la sienne et ce pion est faible. Donc peut-être que je peux essayer de gagner cette finale, même si on dirait que j'ai réparé sa structure de pion. Et s'il reprenait avec l'autre pion, c'est un peu pareil, sauf que là sa tour s'active aussi. Mais je suis quand même là le premier. Pour l'instant il n'arrive pas à gratter mes pions et moi j'en ai déjà gratté un. Donc j'étais pas trop sûr de ce que ça donnait. J'ai choisi de jouer roi G8 pour pouvoir jouer tour C7 sans qu'il puisse forcer l'échange de dame quand même. Dame C3, bah je peux plus jouer tour C7 évidemment. Je reviens en G7. Il répète les coups. Pardon, dame E3. Finalement je me décide à jouer tour C7. Et de rentrer dans les variantes d'échange de dames que je viens d'expliquer. Mais lui, il n'a pas envie d'échanger les dames. Il a dû avoir peur que la finale perde. Peut-être il avait raison. Donc, juste dame D3, et je peux toujours pas venir avec ma tour. Je peux faire dame A2 échec, mais il y a tour D2, et il n'y a pas tour C2, puisque c'est attaqué deux fois. Donc, ouais, je peux toujours pas trop passer, là, hein. Malgré ces pions atroces, j'arrive vraiment pas à passer. Donc j'ai joué H5. Roi F2. Et ah, peut-être H4 aurait été bien. Pour juste qu'il soit le plus avancé possible, si jamais un jour je prends H3. Mais j'ai trouvé que c'était légèrement risqué parce qu'il est plus défendu. Voilà, roi F6. J'approche mon roi. En prévision d'un potentiel échange de dames. Lui aussi il rapproche son roi. Et là, dame F5. Toujours pareil, je me doute qu'il a pas trop envie d'échanger les dames. Et il a joué dame E4. Là, ça m'a laissé un échec, donc j'ai fait échec tour C3. Il bloque avec tour D3. Et là le truc c'est que bah, j'ai pris la tour. Parce que s'il prend... d'ailleurs, que ce soit avec le roi ou la dame, au moins je peux prendre le pion H3. Donc je vous parlais de ce pion H3 et ce pion H5. Si mon pion était déjà en H4, j'aurais besoin d'un temps de moins pour menacer de faire une promotion. Et repris avec le roi, il me semble que reprendre avec la dame était pas top. Ça changeait peut-être rien, je vois pas trop ce que ça change. Donc sa dame est plus active ici en tout cas que là, donc j'ai pris le pion là, maintenant j'ai un pion en avance mais il peut faire plusieurs échecs et puis si je veux pas répéter les coups je dois, enfin d'ailleurs j'ai pas le choix, ouais, je dois donner ce pion en A7. Alors il l'a pas pris parce que bien sûr je prends là avec échec, ensuite je prends l'autre, je prends vraiment beaucoup de pions. Donc il a joué dame E5 échec, roi H7, là il défend son pion. Et maintenant j'ai envie de... ma dame elle est un peu hors jeu, j'ai envie de d'aller soit là, soit là, soit là. Dame C7 qui attaque mes deux pions mais je pouvais pas faire grand chose contre. Donc là je peux en protéger qu'un seul. Enfin je peux faire échec d'abord, j'aurais pu faire échec d'abord. Mais quoi qu'il en soit, faudra que je protège ce pion-là. Donc je l'ai juste protégé en faisant roi G7, donc je donne ce pion. Le matériel est à nouveau égal. Échec, échec. Et là, mon idée, c'est de jouer B6, protégé par la dame. Et comme ça, ça va bloquer, au moins provisoirement, sa majorité de pions. Dame C7. Je refais quelques échecs et puis H4. Maintenant, bah, je pousse mon pion passé tout simplement. Et là, il revient en catastrophe pour défendre. Et encore une fois, si mon pion avait déjà été en H4, ça aurait été beaucoup plus dur pour lui. Mais bon, dame C2, H3, dame H2, dame F1, échec et je défends mon pion.
Au départ, j'ai cru que ça pouvait gagner tout de suite de jouer dame G2. Sauf que dame prend G2, pion prend G2, roi. Et mon roi est un peu loin. Et là, il a le temps de défendre son pion. Alors, ceci dit, avec un coup d'attente, peut-être que je peux quand même essayer de gagner. Mais c'est pas hyper clair. Je me suis dit, avant de faire cette opération-là, je vais déjà gagner un temps avec mon roi. Je vais jouer roi F6. Une autre option. Alors, roi F6, je pense que c'est bon. Dame G3. Et donc là, j'ai fait cet échange de dames. Une autre option, ça aurait été de faire dame C1, par exemple. Et pour prendre ce pion-là et rendre celui-là. Mais après, je continue à manger ces pions. Parce qu'en fait, son roi est proche de mon pion H3, finalement. Donc j'ai joué ça, on a échangé les dames. Et le fait que... Là, j'ai cru que la finale de pion, en fait, gagnait sans aucun problème. Parce que mon roi est bien placé. Sauf qu'après roi F2, comment je progresse? Le truc, c'est qu'il va faire... Certes, mon pion, il bloque les siens, mais pas tant que ça. Par exemple, si je joue un coup de pion, bah, c'est ce que j'ai joué G5 en fait. Et là, il a joué A4. Donc il sacrifie ce pion, mais il va faire promotion avec l'autre. Et le truc, c'est qu'il va faire promotion juste un coup après moi, mais sur échec. Je fais une dame, très bien. Et là, il fait dame échec. Boum. Donc c'est la partie. C'est ça qui s'est passé. Il a fait quelques échecs. Là, il peut plus faire échec et la partie continue. Alors certes, j'ai encore un pion d'avance. Mais j'aurais pu gagner très facilement en faisant... Ok, là, au lieu de jouer G5, simplement, je bouge mon roi. Ou je fais... Ouais, je bouge mon roi. Par exemple, ici. Parce que maintenant, ça marche plus, cette histoire. Là, il fait dame, mais il fait pas dame avec échec. Donc, c'est moi. Disons que je gagne un temps. Moi, j'irai pas jusqu'à dire que ça gagne très facilement. Ah, mais déjà, je peux prendre ce pion avec échec. Donc là, j'ai deux pions d'avance. C'est déjà une nette amélioration quand même. Ok. Autre détail dans la finale de pions. En fait, là, le coup intuitif, c'est de jouer roi F5 pour grignoter ses pions. Mais en fait, le seul coup qui gagne, c'est roi E7. Et ça, c'est très dur à trouver. Donc, je peux pas m'en vouloir de l'avoir raté parce que j'ai jamais beaucoup bossé les finales de pions. Il faut pas essayer d'aller là parce que juste son roi va nous bloquer. Il faut aller chercher ce pion-là. Et ces pions-là. Donc, celui-là, il arrive à le défendre, mais pas les autres. Et là, mon pion est très rapide maintenant. Donc ça a gagné tout de suite. Mais franchement, c'est hyper chaud de voir ici roi E7. Intuitivement, on considère que roi F5. Ça m'est pas du tout venu à l'esprit de passer par là. Pour moi, c'était ces pions-là qui étaient importants. Et si j'avais fait dame pour essayer de gagner un temps, ben ça change rien. Quoique s'il fait roi F2 tout de suite, là il est un peu en dessous de Zhuge. Ah non, il a encore son histoire, la même histoire. Ça transpose dans la partie quasiment. Parce que là il fait dame avec échec. Ok, alors je reviens à la partie, pardon. Donc il a fait dame avec échec. Et puis là il a bien joué parce qu'en fait il a juste avancé son roi. Et mine de rien, il menace mat en un coup. Et madame, elle a vraiment pas de chance, elle est mal placée, elle arrive pas à défendre ce pion. Je peux pas venir là pour le défendre parce que c'est sous contrôle. Je peux pas venir là non plus. Je peux pas défendre ce pion, quoi. Donc je peux fuir avec mon roi et essayer de poursuivre cette finale avec matériel égal. J'ai décidé de juste faire dame F5 qui force un échange de dames en rendant le pion et maintenant la finale est totalement égale. On a continué quelques coups.
Et là, après F5, j'ai pris et j'ai proposé nul. Il m'avait déjà proposé nul quelques coups plus tôt, j'avais refusé, mais c'était déjà totalement nul. Roi prend F5. Roi là, ça aurait fini comme ça, quoi. Donc, toujours pas de victoire. Une partie hyper longue, 76 coups, si je me souviens bien. On va regarder ce que dit l'ordinateur. J'ai eu l'avantage. Là, j'étais à moins 2, par exemple. Ici, Dame F5 était pas top. Qu'est-ce qu'il fallait jouer? Dame H5. Il fallait jouer H3, H6, H5. Bah, enfin, c'est pas que c'était pas top, c'est que ça menace rien, quoi. Et puis après, là, il fallait jouer H4, comme je disais. Comme ça, après les échanges, si je gagne ce pion, je suis un tempo au plus près de la promotion. J'ai failli le jouer en plus. Ici, Dame A2. Dame A2, j'ai pas vu ce qui se passait. Hein. Ok, on peut progresser comme ça. C'est compliqué ça. J'en reviens à la partie. Après là, j'avais gros avantage après l'échange de tours là. Là, j'étais gagnant avec ce pion d'avance et son roi au centre. Jusque ici, où roi E7, c'est le seul coup qui gagne. Roi F5, nul. Roi E7, seul coup qui gagne. Alors malgré tout, à un moment où j'avais à nouveau la victoire possible, comme je disais, oui, il suffit que je joue un coup qui fasse que mon roi ne sera plus en position de sur la même diagonale que B8 pour quand il fera la promotion. Donc c'est pour ça que G6 gagne. D'ailleurs, quel rapport? Ah oui, parce qu'on va pouvoir bloquer l'échec. C'est compliqué ça. Roi F5 est plus simple. Mais ouais, déjà cette finale de pion était très très compliquée. Donc partie très longue et très compliquée, avec encore les histoires de pions isolés, une finale de dames et une finale de pions, une course au pion. C'était plutôt comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, bah nul, nul à la fin. Donc j'ai toujours pas de victoire, mais c'est pas grave, ça viendra. J'espère que vous avez apprécié cette partie, sans doute la plus longue et la plus compliquée du tournoi. C'était Christopho, et c'est tout pour le moment.